Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors bon, comme vous avez vu, hein, la tournée a été reportée en janvier. Tellement triste. Mais bon, voilà. Donc je me suis dit, comme la tournée a été reportée, j'ai du temps devant moi. Donc voilà, je vais passer une semaine chez un crush. Voilà, vous me connaissez déjà. Et puis il va me réconforter. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein. Donc, j'ai passé une semaine. Non, une semaine. Bon, je sais pas. C'est parti pour une semaine, mais s'il m'embête, je risque de rentrer avant chez moi. Moi, je suis très comme ça. Mais vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien? On aurait dit que j'ai pas payé l'électricité. Mais c'est pas ça. C'est que la lumière à Paris, je comprends pas. Oh là là, c'est pollué, c'est gris. Non, c'est mon crush, c'est bien parce qu'il y a un peu de soleil. Voilà, enfin, j'espère qu'il y a un peu de soleil quand même parce que voilà, c'est pas que il faut pas qu'il m'apporte du soleil uniquement chez Mimine, il faut qu'il l'apporte. Voilà, enfin, vous avez compris. Donc, voilà, je vais me préparer pour aller chez lui et vous allez m'accompagner jusqu'à ce que je passe là pour mon Dieu, habite loin. Oh. Et habite-toi, mon Dieu, à 1 heure de temps d'ici. 1 heure de temps. C'est fou, là. Faut aller prendre le train. Là, 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 là. Non, mais moi, vous savez, je préfère aussi. Je préfère comme ça. Parce que si on habite genre à 30 minutes, 20 minutes. Ah non, 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 non. C'est trop. Ça veut dire que tu peux venir à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Tu sais, on ressent pas le manque, tu sais. Non, non, non. C'est bien comme ça. Comme ça, chacun fait sa vie de son côté. Enfin, chacun fait sa vie. Oui, chacun fait sa vie. Hein. Quand on se voit, on est toujours content. On est toujours joyeux. Il y a toujours ces pulsions. C'est toujours, toujours chaud, chaud, chaud. J'espère, hein, parce que là, il va devoir réconforter beaucoup de gens. Il y a Mimi, il y a moi, il y a Cleveland, il y a tout le monde est à réconforter. J'espère qu'il est prêt. Même s'il n'est pas prêt, il a intérêt d'être prêt. Donc, non, c'est bien d'avoir quelqu'un de loin comme ça. La personne n'est pas comme ça dans tes pieds. Vous parlez tranquille, vous profitez et puis profitez et puis voilà. D'accord? Donc, bon, allons se préparer parce que je ne peux pas arriver chez lui quand même et puis je pue. Non, c'est pas possible, je peux pas arriver chez lui et puis je sens mauvais. Non, sinon il va dire, bon là, je t'ai pas connu comme ça. Hein. Ah oui, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, parce que vous avez vu, hein, qui dit tournée reportée, dit pas d'argent, dit bibi pauvre, et je ne peux pas. Je ne peux pas, faut que je paye les factures, hein. C'est YouTube, hein, qui va m'aider là. Faut... Donc, les chéris, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner également à l'Instagram de Bichette. Moi, j'ai fait une petite pause sur Instagram là parce que voilà, mais comment que je vais me donner la vitamine suffisante, je reviendrai sur Instagram là, 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 bientôt. Donc, on y va. Aïe, gente, alors là, je vais me laver, comme je vous ai dit. On peut pas aller chez le crush et puis tu vois, tu sens mauvaise. Donc, non. On va me laver, moi, quand je me lave. Et j'aime bien mettre un mix. Je pense que vous aussi, hein, vous aimez mettre un mix. Moi, j'ai un mix là que je mets. Ben non, d'abord, allons chauffer l'eau. Parce que, fou, attendez. Allez, chauffe. Chauffe, chauffe, chauffe. Et c'est froid, on va essayer de parmi les mèches. Donc, je vais imaginer. Ouh là là là, c'est trop chaud, c'est trop chaud. J'arrive jamais à trouver le juste milieu. Le matin, j'aime quand tu vois ça. Et le matin. Mais fais ça, vous le faites! Ils sont malades. Bon, on y va. Donc, je n'ai pas mis les cheveux, c'est une épreuve. Hein. Pas comment vous faites. J'avais un petit truc. Hein. Maintenant, on va prendre le savon, un petit savon de chez Natura. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mon Dieu, j'adore ce savon-là. Et j'ai pas que ça. J'utilise également ça, c'est un truc oassé. Regardez si vous pouvez voir, mon Dieu, c'est tellement top. Donc, oh là là, ça c'est savon, gommage. J'adore, j'adore.
J'en ai plus, hein. Faut que je retourne au Brésil, hein. C'est super bon pour la peau. Ça fait gommage et tout. Nettoyer les pieds aussi. Parce que s'il veut lécher, hein, le pied, au moins il peut. Ouh, mon Dieu, je glisse. Ouh, ouh. Stabilité à 100. Vous voyez pas que mon visage est plus rayonnant. Moi je suis quelqu'un. Je suis capable de dormir là. Là, c'est fini. Mon Dieu. Let's go! Lavez les dents quand même, pas que je dise. Pas la vie. Donc moi j'utilise cette crème. Là si vous voyez, de chez Grana, c'est tellement top, une crème que j'ai achetée au Brésil. C'est top. Non mais c'est pas celle-là que j'utilise d'abord. Celle-là. Je sais pas si vous voyez, c'est bon. Elle coûte 30 euros. Hein. 30 euros chez Sephora. Mais j'adore cette crème. Ça donne un teint lumineux. De base, le mec m'avait dit que c'était que pour les tubes. Mais ça m'aide là. Je me sais quoi. Pourquoi la planter là? C'est une forêt ici. Hein? Donc après, moi j'utilise celle-là. Donc je vous ai déjà montré. Donc de chez Grana. Ça sent tellement bon. Vous avez même pas dit. Ça sent bon. Ça c'est pour le corps, mais j'utilise pour le visage aussi. Je trouve que ça tient bien, ça sent bon. Mais je peux pas utiliser que ça. Donc en fait, soit j'utilise du beurre de karité. Également, en général, je mets du beurre de karité, mais là, je sais pas où il est. Ah, il est là. J'utilise du beurre de karité pour la peau. La peau, les lèvres et tout, les bras. Bon, j'ai déjà passé un peu sur mon corps. Donc on va dire que là, je passe sur les bras. Du beurre de karité, très important, hein. Du beurre de karité, surtout moi avec mes tatouages là et tout, je passe du beurre de karité. Et comme le beurre de karité, il y a une odeur quand même assez forte. Soit je passe de l'huile, une huile brésilienne, Granado. Alors, soit je passe cette huile là. Ah non, c'est même pas Granado, c'est l'huile de maracuja. Donc, soit je passe cette huile là. C'est de Natura, c'est la Natura, le magasin Natura, comment ça. Ou cette huile là. Une des deux, parce que le beurre de karité, ça sent assez fort. Donc, voilà. On va utiliser celle-là, vu que c'était la dernière que j'ai pris. Comme ça, ça. Ça donne un petit goût. Et puis tu sais, quand tu arrives déjà chez le crush, voilà, il sait que ça annonce déjà la couleur. Donc ça sent super bon. C'est quel Castanha do Brasil. Castanha, ça veut dire quoi encore? Castanha, j'ai oublié. J'ai oublié ce que ça veut dire, castanha. Mais ça sent super bon. Super bon. Mais je ne m'arrête pas là. Donc voilà, ça c'est pour cette partie-là. Pour le corps, j'utilise le beurre. Le beurre corporel. En fait, ça c'est la crème, mais la crème en hiver, ici, elle ne tient pas. D'accord? La crème en hiver, ici, elle ne tient pas. Mais le beurre, il tient en hiver à Paris. Donc voilà, je mets là. Je remets là encore, voilà. Entre les jambes là comme ça. Tu sais, il faut que vos mimines soient fraîches. Fraîches. Donc voilà. Et pour aller chez le crush, je ne fais pas un grand make-up. Hein, pas du tout. Je fais les sourcils, fais légèrement le teint. Voilà, c'est pas une soirée légèrement. Donc voilà, vous savez déjà comment on fait le teint. On va vous apprendre. Donc légèrement, une petite crème et tout. Le teint, les sourcils, c'est tout. C'est tout, pas besoin de faux cils, eyeliner et tout. Non, parce que dans tous les cas, c'est repos. Je vais me reposer. Il y a un truc très important, c'est que les vêtements que tu choisis pour aller chez le crush, il y a des pièces là que tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Donc, pour aller chez le crush, voilà, surtout ça. Surtout ma petite nuisette, girl crew, hein, parce qu'on va pas dormir en shintangpang chez le crush. Voilà.
deux petites robes tranquilles pour aller au resto. Sinon, on va généralement manger, on va se manger. Voilà, ça, c'est des petits vêtements, un petit top, un petit haut tranquille, un petit haut, des trucs faciles à enlever. Vous avez vu, j'ai pas mis de bas, c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal parce qu'il n'y aura pas beaucoup de bas à mettre. Donc voilà, ça c'est très important. Nuisette, des petits hauts faciles à enlever, deux trucs pour des restos tranquilles. Pour une semaine, c'est suffisant. C'est suffisant. Donc voilà, gentil, je suis prête pour aller chez le crush. Le Uber m'attend en bas. Je crois que j'ai tout pris. J'ai un oubli. Oh, mon Dieu, vous savez, en plus, je me suis rendu compte de quoi? J'ai oublié de m'épiler. Oublié ça. Mais heureusement, heureusement qu'il y a toujours, hein, Bichette est toujours avec moi. Je l'emmène quand je me lavais, ni vu ni connu. Tchac, tchac. Fait ça opérationnel. En plus, bon, il n'y a pas beaucoup, il y a juste des petites repousses, mais voilà, il faut quand même que tout soit clean up. J'espère que ça va me faire du bien. Ça va, je vais me ressourcer. Mimine va se ressourcer. Tout le monde va se ressourcer. Donc, comme je vous ai dit, c'est crush, hein. Crush, c'est quoi ça qui fait? Ah, c'est mon manteau. Donc, comme je vous ai dit, c'est crush, hein. Crush, crush, ça veut dire pas forcément d'attachement. C'est un petit intérimaire comme ça que j'ai pris. Voilà, un petit crush, tranquille. Voilà, j'espère qu'il est prêt. Mais non, on va passer. Il rigole bien avec moi. Hein. Il trouve que je suis clown et tout. Bon, bien sûr, je peux pas le montrer. Parce que, voilà, les crushs, c'est un crush discret. Mais en tout cas, j'espère me reposer. Je reviens sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram, t'inquiète pas, je reviens dans les jours à venir. Pour l'instant, je vais me ressourcer un peu. Et voilà. D'accord? Mon Dieu, en plus, il cuisine. Il cuisine. Franchement, c'est pour ça que je veux garder ce crush-là. Hein. Je ne veux pas me mettre en couple avec lui, mais je veux le garder. Il cuisine bien. Il s'occupe bien de Mimi. Il fait un machin. Il donne bisous. Le matin, je me lève, tout est prêt. Non, il est tellement aux petits soins. Oh là là. Et en plus, il a une situation stable. Il est ambitieux. Fou, franchement, la meuf qui va se mettre avec lui, elle sera chanceuse, hein. Elle sera chanceuse, ça sera pas moi, mais elle sera tellement chanceuse. Bon, j'y vais, bah, celui Uber, mon Dieu, tout à l'heure, il m'insulte. Bisous, bisous, je n'oublie pas de t'abonner, liker, n'oubliez pas, hein, voilà. J'ai quasiment, hein, j'ai presque plus de revenus, donc on s'abonne, voilà. Allez, tchuss!